Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un reportage qui n'a pas été tourné en pleine guerre, qui n'a pas été tourné de l'autre côté de la planète, mais bien en plein Paris. Et pourtant, je m'en souviens douloureusement. Nous sommes en 1993. À l'époque, le ministre de l'Intérieur est Charles Pasqua. Il dit pouvoir éradiquer tous les réseaux de drogue dans la capitale parisienne. Or, justement, un nouveau produit venant des États-Unis se répand en France. Il s'appelle le crack. À Paris, le centre du marché du crack est la place Stalingrad, dans le 18e arrondissement. Faire un reportage sur ce deal, place Stalingrad, serait un scoop. Mais il faut le fumer en douce. J'imagine une stratégie, me déguiser en clochard, avoir des petites caméras au bout des doigts et un enregistreur Betacam dans le dos, dans un sac à dos. Je loue des caméras, elles me sont livrées au bureau. Je me fais expliquer leur fonctionnement par le livreur, qui est en même temps un technicien. Et puis bon, tout va bien, en avant-marche. Canal, corridor, escalier, couloir, l'endroit est sinistre. Crack, dérivé chimique de la pâte base de cocaïne, se vend sous forme de cristaux brunâtres. Crack, fumé ou inhalé, la drogue du pauvre. Crack provoque un flash très court avec euphorie, hyperexcitation, hallucination. Crack, trouble respiratoire, pulmonaire et cérébraux. Les arcades, les dealers attendent le client. Une femme rampe à leurs pieds, cherchant des cristaux de crack. Sur la rotonde, des jeunes hommes font le tapin, espérant ainsi avoir bientôt de quoi prendre cette substance qu'ils souhaitent tant. Cercle infernal. Les garçons aussi se prostituent au coin de la rue. Là, ils attendent. Non, 100 francs. Moi, ben, il est 100 francs. Non, c'est à toi. Un homme s'approche et me demande si je ne veux pas me faire un peu d'argent. Oui, que faut-il faire? Il me demande de le suivre jusqu'à un magasin où une petite dame est en train de rendre la monnaie à un client. Il me dit la chose suivante, tu la sommes et moi je pique la caisse. Ensuite nous partageons. Oh, je l'envoie promener. Vous êtes malheureux, monsieur Sartrevoix. Vous êtes malheureux, vous êtes pauvre et vous n'avez pas de soutien. Soutien que vous soutien moral, soutien de famille. Vous avez besoin des frères, des sœurs, vous avez besoin de parler à des gens. Donc vous venez ici, vous réconfortez un peu. Même si on vous dit merde, mais pour vous c'est déjà pas mal. Même si on vous crache dessus, pour vous c'est déjà bien. J'ai trouvé un bistrot, un restaurant chinois, tout près de la gare de l'Est, c'est-à-dire à environ 800-900 mètres de la place Stalingrad,
où je peux me reposer et changer la bande de l'enregistreur. Bon, les tournages se succèdent. Ça fait maintenant 3 nuits que je suis sur place. Vendredi, le livreur qui m'avait apporté les petites caméras que j'ai au bout des doigts m'interpelle. Il est place Stalingrad, il se shoot. Et il me demande si je suis là pour filmer ou faire un reportage. Paniqué, je lui demande de me suivre et nous allons K1KA dans les bistrots où je change normalement les bandes d'étain. Je lui parle, je lui donne un peu d'argent et lui demande de se taire. Pas de problème. Motus et bouche cousue, me dit-il. Samedi, je m'applique à saisir des conversations et des images beaucoup plus stables. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de drogués. Le week-end de la CAM. Je tourne une première bande qui a l'air d'être bonne. J'hésite à en faire une deuxième, et puis finalement, vu le monde qu'il y a, j'y vais. Dealer. Souvent consommateur, mais aussi pousseur. Celui qui pousse, qui propose, qui pousse à la consommation. Crachant sa fumée au drogué qui s'approche et respire son haleine. Le mépris de la douleur. Il est 3 heures du matin. J'en suis à peu près sûr, les 15 minutes de tournage que j'ai fait sont bonnes, stables. Il y a vraiment maintenant plus grand monde sur la place et je me prépare à partir. Mais quelque chose me retient, la peur m'étreint, elle m'étreint soudain, indéfinissable. Peut-être que quelqu'un m'observe, je n'en sais rien. Je lutte contre cette impression en me disant que je suis décidément très impressionnable. C'est alors que j'entends une voix me dire « T'es en train de filmer ». Là, la panique m'envahit. À la seconde même, je cours à corps perdu vers la rue que je traverse. Je tourne vers une place éclairée. J'entends derrière moi un fracas. Je peux voir les poursuivants s'écraser contre un abribus. Mais je peux voir devant moi des ombres qui traversent à leur tour l'avenue et qui me coupent la route en fonçant sous le métro aérien. L'espoir qui m'avait habité pendant quelques millièmes de secondes s'évanouit et la terreur explose. Je me sens plaqué au sol. Je tombe, je vois une dizaine d'ombres se pencher vers moi. Sans doute, quelques minutes plus tard, je reviens à moi. Je vois avec précision la vitrine d'un McDo. Je me vois en train de frapper contre la vitre, qui se teinte en rouge. C'est alors que je m'aperçois qu'au bout de mes bras, il y a de drôles de jets. C'est du sang. J'ai certainement des artères sectionnées quelque part. Ce qui me fait redoubler de coups pour que l'on m'ouvre. La dernière chose dont je me souviens est un homme chauve qui me signe de rester tranquille derrière la porte et qui n'ouvre pas. Mais oui, quand je me réveille, les secours sont là, des pompiers. Ils me soignent, je leur dis que je suis journaliste, puis à nouveau c'est noir. Tous mes tendons ont été sectionnés par 8 coups de couteau dans les mains. 8 coups de couteau dans les mains. Tous les tendons sont remontés à l'épaule. Il a fallu l'intervention d'un chirurgien spécialiste à Boussicault pour reprendre les tendons un par un et les resuturer dans les mains. C'était vraiment très pénible parce que, bon, j'ai été blessé plusieurs fois. J'ai été blessé au Vietnam en particulier, où j'ai pris 2 balles dans le ventre. Mais là, ce qui était très pénible, c'est que je ne pouvais plus me servir des mains, de mes mains. Pendant 6 mois, je suis resté avec des attelles en plastique.
sans pouvoir toucher quoi que ce soit. C'était absolument horrible. Bon, eh bien voilà. Voilà les risques qu'on peut être amené de prendre, nous les reporters, partout dans le monde. Et pas uniquement dans les zones dites à risque, mais partout. Absolument partout. Partout où on veut nous empêcher de rapporter la vérité. Il n'est pas bon de dire la vérité. Et nous, les reporters, nous sommes en première ligne. Écoutez, j'espère à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et le pouce, j'aime. À très bientôt, au revoir.